Alors les amis, dites-moi un petit peu, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Q3 comparé à l'ancien, et aussi surtout par rapport au prix, parce qu'on est sur du 45 000 euros en finition S-Line. Effectivement, vous allez pouvoir tabler sur du 33 000 euros en entrée de gamme avec une première motorisation essence. Vous, qu'est-ce que vous prendriez pour 45 000 euros sur les SUV compacts? Soit le BMW X1, soit le Mercedes GLA, ou alors peut-être un Volvo XC40, pourquoi pas, ou un autre. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. En tout cas, le prix de ce Q3 est de 45 000 euros, 33 000 euros en entrée de gamme, et on peut atteindre facilement les 50 000 euros sur la version essence, de 230 chevaux je crois pour la version essence, 45 TFSI si mes souvenirs sont bons, et les prix avec quelques options, on peut déjà facilement dépasser les 50 000 euros. Là on a réussi à se stationner un petit peu dans une rue près d'Agadir. Petite information les amis, la clé, voici la clé de l'Audi Q3. Je suis assez surpris hein, du design. Je pensais à une clé un peu plus innovante hein. Ça ressemble un peu à la clé de ma Polo, regardez. Hop. Eh oui. Alors, il faut savoir au niveau du tarif que ce Q3, ce nouvel Audi Q3, ici en finition S-Line TDI 150 chevaux, vaut, accrochez-vous bien, 45 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, alors n'hésitez pas, oui, en commentaire, à commenter l'incommentable, c'est-à-dire 45 000 euros. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en SUV compact premium? Bah, vous avez dans la série BMW le X1. Chez Mercedes, vous avez quoi? Vous avez le Mercedes GLA qui commence à devenir vieux et technologiquement parlant, commence à être à la ramasse. Alors, il faut savoir que celui-ci vaut 55 000 euros avec quelques options et on n'a pas la caméra de recul. Eh oui, mais faut avouer qu'il est vraiment charmant ce nouvel Audi Q3. Alors à noter quand même la calandre. Là, c'est une très belle calandre chromée, très méchante, très massive. Donc il fait vraiment plus sportif ce Q3 que l'ancienne génération. Alors ici on a des jantes de, je vais vous dire ça, de 19 pouces, mais vous pouvez avoir des jantes de 20 ou 21 pouces qui sont aussi très très bien, qui lui donnent encore un côté encore plus sportif que celui-ci. Mais remarquez un petit, je sais pas si vous remarquez quelque chose, mais ce Q3 me fait penser un petit peu au Q5, mais encore plus moderne, plus travaillé. Il y a des petites touches là comme ça ici, les feux arrière à LED, mais en bande verticale inclinée, c'est très beau. Vous avez voilà un arrière assez massif. Alors ici c'est pas une finition qui met forcément en valeur son côté sportif et l'aérateur à l'arrière. Ici vous avez aussi deux profils, une poupe vraiment sportive. Alors à noter, bon, le bruit du diesel, ok, mais je ne vois pas les sorties d'échappement. Où sont-elles? Où sont-elles passées, j'ai envie de dire? Ce qui est pratique sur ce Q3, c'est les barres de toit qui permettent justement, hop, de s'insérer. Là l'idée c'est de tester ce Q3 en motorisation diesel les amis, parce que c'est vrai que pour les gros rouleurs ça va être très intéressant pour vous. Et on va faire un point conso d'ici quelques kilomètres. Il faut savoir que ce TDI développe 150 chevaux. On est en boîte manuelle. Alors à noter, hein, la boîte est assez longue, hein, le pommeau, le levier plutôt, est assez long. C'est assez rare d'ailleurs de voir ça sur une Audi. C'est à souligner, et esthétiquement parlant, ça se discute. Bon, on va refaire un point d'ici quelques minutes. Donc là, savoir que le plein est fait, on est full réservoir et l'autonomie est annoncée à 720 km. Donc je pense que, à mon avis, d'ici quelques kilomètres, vous pourrez atteindre facilement les 800 et peut-être 900 km, pourquoi pas un défi à se lancer. Ici, on a, on va dire, le maintien dans la voie, une technologie qui vous parle hein, forcément, mais c'est vrai que ça reste pratique sur les longues distances, c'est moins de fatigue. On va tester les relances du moteur TDI. Ah, ça pousse. Un peu long. Ça y est, on monte à 2000 tours. Ça y est. Il faut un peu plus de reprises sur ça. J'aurais dû descendre d'un rapport. J'étais en 5e. Ils ont fait un gros point d'amélioration sur l'insonorisation à bord. C'est vrai qu'on entend très peu les bruits d'air. L'intérieur quand même, je le trouve complètement fou. Alors, je sais pas si vous allez le configurer comme ça, mais regardez l'intérieur, il est assez incroyable. Au niveau de la couleur, je parle. Pour une fois, une Audi à l'intérieur reste assez fun.
c'est fun à l'intérieur de ce Q3, tout simplement parce qu'il s'inspire d'une dalle tactile inspirée de l'Audi A8. Et puis surtout, voilà, vous avez un intérieur qui, quand même, en finition S-Line, hein, bien sûr, présente plutôt bien. Vous avez une belle sono, hein, que ça fait du boum boum, hein, Bangelson. Je sais pas si je l'ai bien dit. Finition S-Line, c'est écrit ici, sur le seuil de porte. Mais par contre, vous avez une très très belle finition entre... c'est quoi? Ça doit être de l'Alcantara orange. C'est assez choquant de voir ça dans une Audi, mais je trouve ça fun et vraiment très bien réussi. Vous avez un joli volant. Alors, les volants chez Audi à méplat. Vous avez le Virtual Cockpit. Vous avez une boîte mécanique à 6 rapports. Le levier est un peu long, je trouve. Et puis après, vous avez une assise qui reste plutôt confortable, avec un bon maintien des sièges, et puis vous avez des sièges électriques ici. Non, franchement, l'intérieur, il n'y a rien à dire. Vous avez des parts de toit aussi en alu. Alors, sur le blanc, ça se voit pas trop, mais si vous prenez un autre coloris, ça se verra encore plus, ça se fera encore plus sportif. Non, il y a vraiment pas mal de choses positives sur ce nouveau Q3. Hein, franchement, on en avait un petit peu marre de voir l'ancienne version avec une bouille un peu trop arrondie à mon goût. Et ici, ils ont vraiment revisité ce Q3. Une belle réussite. Quelque chose de sympathique, et moi j'aime bien chez Audi parce qu'ils travaillent beaucoup les luminaires, que ce soit au niveau des LED et tout. Mais regardez là, Mister Thomas a activé les clignotants. Vous avez des clignotants progressifs. Alors, ça a toujours son petit effet, mais chez Audi, franchement, c'est super bien réussi. Vous avez un petit rangement, aussi une recharge rapide pour les téléphones qui se rechargent par induction. Ici, vous avez très simplement une planche de bord qui est super bien finie avec de l'alcantara coloré. Si vous voulez personnaliser, ça coûte à peu près 400-500 €. Ici, vous avez de l'aluminium, c'est aussi bien fini. Vous avez un petit plastique moussé. On va dire que tout est parfait au-dessus des genoux. Dès que vous commencez à regarder en dessous des genoux, sur toutes les parties où c'est moins visible, finalement, ça doit être aussi un choix des designers et un choix au niveau du coût de fabrication, vous entendez plastique dur. Là, c'est pas du plastique dur, par contre. Là, ça commence à devenir un peu dur, mais bon, voilà, c'est vrai que on n'est pas habitué chez Audi à avoir du plastique dur même sur ces parties-là. Alors voilà, c'est une question d'habitude. Mais c'est vrai qu'ici, ça rend un peu moins les finitions. Voilà, on est habitué à mieux quand même chez Audi. Bon, après, on va pas se plaindre parce que cette partie-là, la partie visible, elle est vraiment très très bien réussie. Surtout avec ce coloris orange, aluminium et noir. Ça rend vraiment la chose très agréable à l'œil. Alors, on a fait une rencontre étonnante, les amis. Vous allez voir ça d'ici quelques secondes. C'est pas des sangliers. Ce ne sont pas des vaches, mais ce sont des dromadaires. C'est dromadaire, hein. Une bosse dromadaire. Alors là, vous allez voir quelque chose d'assez incroyable. On va appeler ça le berger va faire traverser le chameau. Savoir aussi que sur les routes marocaines, ne vous étonnez pas si je roule à 100 km/h par exemple sur les routes, c'est autorisé. D'ailleurs, je vais vous faire un petit rappel sur les routes, c'est 100 km/h sur les routes, 120 km/h sur autoroute, et je crois que c'est 60 km/h en ville. Donc sachez que si voilà, vous voyez le compteur s'afficher, attention, commentaire, tout ça, on n'est pas au-dessus des limitations de vitesse, c'est juste les limitations de vitesse marocaines. Et il faut faire très attention sur la route parce que c'est vrai que ça déboîte pas mal sans clignotant la plupart du temps. Vous avez aussi des chèvres, des moutons, des dromadaires, des chameaux, ce que tu veux, et aussi des vélos et aussi des mobilettes et un peu de tout. Donc il faut faire très attention. Puis faire attention aussi sur la route marocaine, c'est que la présence policière est très présente. Voilà. Et là, on passe un dodane. La route est vraiment dégradée, hein, sur les routes
marocaine près d'Agadir. On a pas mal de nids de poules, on a des routes qui sont pas forcément en bon état. C'est pas une critique, mais c'est juste pour mettre en valeur justement les qualités de l'amortissement de ce Q3 qui, je pense, est beaucoup plus confortable que l'ancien. Avec ou sans suspension pilotée, honnêtement, ils ont fait un gros gap sur le confort à bord et l'insonorisation. L'idée, c'est que, je vous rassure, hein, on peut avoir le GPS, sauf que là, on est au Maroc. Et au Maroc, eh ben, ils n'ont pas encore la carte. Et donc, du coup, on a une tablette sur laquelle on essaie de suivre le roadbook comme on peut. Alors, ça... Donc, du coup, bah, un petit peu à l'ancienne avec les outils du jour, mais navigation à la carte. Et à la main, bien sûr, parce qu'à chaque fois, Thomas doit rafraîchir un petit peu la position où on est. Et bah d'ailleurs, vous allez voir un petit peu où est-ce qu'on va. Thomas, où est-ce qu'on va? Alors du coup, on se dirige vers les plages de... Sousmassa. Sousmassa, tu l'as très bien dit, bravo. Tu progresses en prononciation, c'est bien. D'ici la fin du week-end, tu vas parler arabe. Alors, Thomas a voulu dire merci. Thomas qui fait partie du blog automobile. Alors les amis, hein, n'hésitez pas à suivre le blog automobile. Je pense que vous connaissez tous. Hein, tu voulais dire merci en arabe. Alors sache que tu as plusieurs manières de le dire. Je crois que tu peux dire shukran ou saha. Mais alors je sais plus qu'est-ce que... Shukran beaucoup. Shukran too much. Ok, voilà. Donc je sais plus. N'hésitez pas les amis à nous dire aussi en commentaire comment on dit merci à la marocaine. Est-ce que c'est shukran, saha? N'hésitez pas, voilà. Sur ce, nous on continue, on se lance sur le point consommation. Hein. Je suis à 6 litres au 100, on a fait une trentaine de kilomètres tranquillement entre ville et petite route. Je pense que c'est aussi, ça équivaut aussi à une conduite sur autoroute, on doit être aussi à 6 litres. Donc c'est voilà, pour les gros rouleurs, je conseille fortement ce TDI 150 chevaux. Alors sachez que c'est la première fois que je conduis une Audi à boîte manuelle. Alors ça peut vous choquer ou pas, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de conduire la fameuse boîte S-Tronic ou Tiptronic et elle est super agréable. Alors revenir sur une nouvelle Audi Q3 avec une boîte manuelle à 6 rapports, faut s'habituer. Mais après une fois qu'on est habitué, je trouve que voilà, la boîte est saine. Bon, je vais répéter encore une fois, le levier est un peu long, donc c'est un peu voilà, j'aurais bien aimé avoir un levier beaucoup plus court pour le côté un peu sportif. On est sur les finitions S-Line, j'ai envie de dire, donc quand même. Mais après, c'est vrai que les rapports s'enchaînent sans accro, c'est fluide, c'est top. Franchement, voilà, vous passez les 6 rapports sans problème. Alors, je vais activer le mode dynamique. Si ah bah non, on peut pas. Je voulais tester le mode dynamique de ce Q3, mais finalement, non, on est sur. Des chèvres avec sa bergère. Notez hein, le style de la bergère, casquette New York City, ça c'est la classe. Bon, je le disais, on va activer le mode dynamique, mais non, on peut pas. Il y a des charrettes, c'est un peu short. Alors, mais autant vous dire que ça ne sert à rien de mettre le mode dynamique sur des routes qui tremblent. Moi, ce que j'adore, mais ça c'est pas que dans le nouveau Q3, c'est dans chaque Audi qui vous avez l'option virtual cockpit. Je sais pas comment on le dit d'ailleurs, cockpit. Je sais pas combien ça vaut ça à peu près, mais ça a son petit effet. Regardez, waouh, sympa. Voilà, c'est un petit gadget qui sert pas trop à grand chose, mais à épater plutôt la galerie. Je pense que Thomas est épaté. Oui. Ça y est, on va pouvoir activer le mode dynamique. Simple pression de la touche Drive Select. Et c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça a comme relance. Il faut descendre les rapports. Et là, ça pousse. Il y a de la relance, il y a du couple entre 2000 et 3000 tours. Au-dessus de 3000 tours, ça ne sert plus à rien. Vous n'avez plus de jus. Le gras du moteur n'est plus là. Mais ça fait vraiment le job. On est déjà au-dessus des limitations de vitesse. Je vous rappelle, c'est limité à 100 km/h. Et donc, sachez, amis rouleurs, si vous faites beaucoup de route, ce moteur TDI développant 150 chevaux est fait pour vous. Alors là, on va tester un petit peu les aptitudes en off-road de ce Q3. Alors on est sur un terrain sablonneux. Voilà. Ah. On est en mode off-road et oui, ce Q3 peut faire du hors-piste. On est sur vraiment une piste très sableuse avec des endroits vraiment parfois un peu même, on se croirait presque au Dakar. Et tout ça avec des pneus de série. Et surtout la transmission Quattro qui fait vraiment des merveilles sur ces routes qui sont vraiment, il n'y a aucune adhérence. Et avec 4 roues motrices, je peux vous garantir, en boîte manuelle, il n'y a pas de boîte courte. Et ben ça le fait très très bien. Il faut un peu se battre et un peu tirer dans les tours pour avoir un peu plus de coupe et de puissance pour pouvoir sortir un petit peu, déloger ce Q3. Mais je peux vous garantir qu'on s'éclate.
Et regardez-moi la mer juste à droite, c'est vraiment un paysage magnifique, très beau, très très beau. Voilà. Waouh. Je ne sais plus où on va. Alors les amis, on a une version, c'est vrai qu'elle est un peu timide, mais il y a une version plus sportive. Moi j'aime beaucoup cette version, avec la calandre noire, le logo noir. Alors ici, vous avez la version essence 45 TFSI ou 43 de ce véhicule, de ce nouveau Q3. Alors il faut dire qu'il a de l'allure, hein. On pourrait même presque croire que c'est un Q5, mais non, c'est un Q3, c'est bien le nouveau Q3. Et il vaut 50 000 euros, il y a à peu près 5-6 000 euros d'options. Alors moi ce que j'aime beaucoup sur cette finition S-Line, c'est le logo Audi, on le voit même pas. On a enlevé en fait tous les chromes et on laissait place à du plastique noir laqué. Vous avez de très très belles jantes, moi j'adore ces jantes là. Ce sont des jantes de 20 pouces qui lui donnent vraiment ce côté encore plus sportif. Petit clin d'œil, le Q3 ici noir, le logo Audi noir, la référence du moteur 45 TFSI noir. Vous avez un bouclier noir aussi laqué, alors ça se voit plus trop parce qu'on a le sable ici, mais franchement il a une très très belle allure. On a aussi les barres de toit noires. Moi j'opte pour celle-ci. Je sais pas ce que vous préférez les amis, entre cette version beaucoup plus sport ou cette version plus classe, qui s'apparente aussi d'ailleurs à un Q5, hein. Je vais pas arrêter de le dire, mais il y a un mélange de Q5, d'Audi A1, hein, voilà, c'est un peu la nouvelle génération. Alors c'est vrai que la calandre chromée, elle est assez imposante, et surtout vous voyez ces barres chromées latérales qui rendent encore plus méchante, hein. C'est un gros museau. Alors vous entendez le bruit du moteur diesel, il est un peu bruyant, c'est vrai, je vous l'avoue. Le moteur essence est plus discret. On est sur un coffre à ayon électrique, bien sûr. Il me semble qu'on est à plus de 500 litres. Je crois qu'on est à 530 litres. Et avec la banquette coulissante, on peut arriver, je crois, à 670 litres à peu près. Avec un seuil de chargement, s'il vous plaît, un peu haut peut-être, mais chromé. Donc ça rend super bien au niveau des finitions. Et puis surtout, voilà, vous avez un double plancher ici. On le voit ici. Il n'y a pas de roue de secours, c'est une galette. On va refaire ce petit rappel de couleur d'extérieur de carrosserie. Ici, c'est de l'Alcantara. Voilà. Il y a un peu de plastique, je dois vous l'avouer, mais ici ça reste quand même de très très bonnes factures, de très bonne qualité. Ici, beaucoup d'espace pour la famille, un renfoncement dans les sièges avant pour gagner, on va dire, en espace, en habitabilité. Écoutez, on est plutôt bien, on a vraiment de l'espace devant les genoux, de l'espace au-dessus de la tête. Donc très très habitable. Faut noter que le Q3 aujourd'hui a vocation familiale et s'est agrandi plus pour les passagers arrière. Donc ça profite aux passagers arrière. Si vous avez une caméra de recul, nous on ne l'avait pas, et vous avez une belle présentation intérieure, un mix entre plastique moussé sur le dessus de la casquette. Ici vous avez aussi de l'Alcantara couleur carrosserie qui rend très très bien. Un très bel intérieur orienté futur et un intérieur qui ressemble étrangement à l'Audi A8, eh oui. Et c'est ça qui valorise aussi cet intérieur sur ce Q3, c'est qu'il prend des éléments de l'Audi A8, il prend aussi des éléments un peu fun, côté personnalisation. Je peux vous garantir que le Q3, il encaisse. Regardez ce qu'on se prend depuis. Regardez ce qu'on se prend depuis tout à l'heure. Alors on a toujours ce Q3, alors attention, ça pourrait ressembler à un Q5, mais ce n'est pas un Q5, c'est le nouveau Q3, on est bien d'accord. Ici on a des jantes de 19 pouces, les jantes de 19 pouces, ça vaut à peu près sur ce Q3 1550 euros, et oui. Alors en fait, vous avez une prise USB et une prise USB-C. Alors ici, la plupart ont tous des Dacia, c'est robuste, c'est efficace. Et ça passe partout, mais nous on passe encore plus. Moi j'aime beaucoup ces feux là, clignotants progressifs. C'est pas la première, hein. C'est pas une première pour Audi, mais ça a son petit effet sur le Q3.
La voiture locale, le taxi, c'est quoi? C'est 240D. Je peux vous garantir que ces moteurs sont increvables. La voiture, elle doit au moins avoir 500 000 voire 600 000 km. Alors, quelque chose qui peut être pratique pour le conducteur, c'est que l'écran est orienté vers le conducteur. Mais pour le passager, bah, ça devient un peu plus difficile de choisir la radio. Je dois vraiment me remettre dans l'axe pour voir un petit peu où j'appuie, sur lequel touche. Bon, la radio locale, ça sera pas assis. C'est bon. Il l'a vu, c'est tout. Voilà. Julien Gauvier, dans toute sa splendeur, il est là. Il nous filme, il nous fait des bons plans. Allez-y sur sa chaîne YouTube. J'ai pu un peu voir ce qu'il faisait. Franchement, il va nous faire une belle vidéo sur ce Q3. Et il prend des risques dans les rues d'Agadir. Petite technique du bled, par soleil en bois s'il vous plaît, sur la 208. Je pense que 200, c'est une 206, 207 pardon, plus. 207 plus. 206 plus. Je pense que c'était une option qui n'existait pas au catalogue à l'époque. Bon, je veux pas vous mentir, hein, les relances sont un peu faiblardes, hein, sur les premiers rapports. Il faut vraiment taper sur les 2000 tours pour avoir du couple. Le couple qui doit atteindre potentiellement 350 Nm. Alors moi j'aime beaucoup ces phares. Hein. Phare à LED comme ça, ça lui donne une belle signature et surtout là, la calandre avant, là, bien chromée, un peu, j'ai envie de dire, à la Mercedes. Mais il faut pas le dire, c'est une Audi. En tout cas, j'adore la calandre avant, elle est vraiment imposante, très imposante. Alors, là-bas, il y a la mer et au-dessus, et en dessous plutôt, il y a le Q3, regardez-moi. On le voit évoluer un petit peu en partie off-road. Quand même sympa, hein. Alors Thomas, tu viens de me dire qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, je comprends pas là. L'ancien Q3. C'est ça. Allons c'est voir ça. Un petit peu les 7 différences. Belle surprise comme tu dis. Donc là, on vient de se perdre dans les rues d'Agadir. Et qu'est-ce qu'on voit? L'ancien Q3. Et vous voyez vraiment les 7 différences. Alors je dis les 7, mais il y en a plusieurs. Déjà la ligne de caisse qui est complètement différente. On est plus sur une caisse rectiligne. Donc là, il y a beaucoup plus de gueule, hein, si je peux me permettre, ce nouveau Q3. On a, bon, les jantes, n'en parlons pas. Après, on a une face avant qui est assez différente. Vous vous souvenez un peu cette face avant trop carrée? Et ben, c'est terminé. Là, on a le nouveau. Vous voyez quand même la différence. Excuse-moi, Thomas. Donc là, on voit l'arrière. On voit bien que l'arrière est complètement différent. Ça change, ça radicalement. Il y a l'impression qu'il y a plusieurs, une dizaine d'années entre les deux. Souvenez-vous, l'avant n'a rien à voir avec celui-ci, plus massif, plus dans l'air du temps finalement. Et c'est vrai que comme le disait Thomas, au niveau finition, l'ancien, regardez, c'était du plastique dur. Ici on est sur du plastique qui est vraiment mieux travaillé, on est sur du plastique un peu laqué qui rend vraiment du coup plus quali, hein, les tours, les passages de roues. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et surtout à vous abonner et surtout à réagir en commentaire. Sur ce les amis, ciao.